Tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Alors, je remets en place ma petite télé, je viens juste de pousser. Voilà, je fais de la place pour le technicien qui doit arriver tout à l'heure normalement. Alors, aujourd'hui, tous les enfants sont à l'école, même Kéliane. Là, je suis en train de débarrasser le petit-déj du matin. Warren est à la sieste. Sébastien est parti au travail. Sébastien est barbouillé depuis ce matin. Il est parti au travail, mais il n'était pas bien du tout. Il a pris un cachet quand même. J'espère que lui ne s'est pas chopé la gastro. C'est fort possible. Parce que Sébastien est beaucoup plus fragile que moi ou que Kéliane d'ailleurs. Donc, bon, j'espère que ça va bien se passer. Je fais des allers-retours parce que je débarrasse toute ma table. J'en profite que Warren dorme. Je vais faire un petit coup de ménage, juste rapide, parce qu'il n'y a pas grand-chose finalement. Je vais passer un coup sur les meubles pour dépoussiérer, etc. dans le salon. La cuisine, je vais essayer quand même de passer la serpillière aujourd'hui. Et donc normalement, ce serait bon. Je pense que d'ici là, Warren sera réveillé et je vais pouvoir jouer un petit peu avec lui, en tout cas faire des activités tranquillement. Voilà, on se réveille tranquille ce matin, c'est vraiment relax, c'est cool. Warren a passé une super nuit. Franchement, je suis trop contente. Heureusement, avec cette histoire de doudou, je devenais complètement folle, j'étais paniquée. Et finalement, ça va. Donc voilà. Bon, bah écoutez, Warren est réveillé. Il s'est réveillé de sa sieste. Voilà. Il bave un peu, hein, même beaucoup, hein, Warren. Ah, mon cœur. Les dernières petites dents qui percent. Elles sont sorties pourtant. Voilà. Alors, j'ai sorti ce petit tableau qu'il a eu par le Papa Noël. Voilà, c'est un tableau vraiment très sympa. De ce côté, c'est le côté où il peut écrire avec de la craie. De ce côté où il peut aimanter. Il y a aussi des petits des crayons feutres, mais je lui donne pas pour le moment. Il peut écrire dessus. Il a des lettres, des chiffres. C'est vraiment sympa. C'est de la marque Auchan, en fait. Et donc, on savait même pas qu'ici, on pouvait trouver des jouets comme ça de la marque Auchan. Donc, c'est cool. On est plutôt content au niveau de la qualité du produit. Qu'est-ce qu'il y a dedans? C'est des petites tampons. Je pense que c'est de la peinture, ça, en fait. Donc, je ne vais pas lui donner. Voilà. La boîte, elle est comme ça, en fait. Vous voyez, il y avait des petits crayons. Crayons, on va dire, crayons de cire un peu. Je ne sais plus comment on dit ça. Des feutres, les chiffres et les lettres. Ici, là, je pense que c'est de la peinture parce qu'ici, il y a un pinceau. De la craie avec, vous avez l'éponge, enfin vous avez tout avec, franchement c'est vraiment cool. Et c'est la marque Auchan, vous voyez là, voilà. Et on l'a trouvé ici en Angleterre, donc c'est cool. Le produit, franchement j'ai payé ça pas très cher. Et hop, vous avez ça à l'intérieur, des choses comme ça. Voilà quoi, tu veux dessiner? Tu veux décider? Maman, il faut qu'elle te surveille. Hein. Je veux bien, mais maman, il faut qu'elle te surveille. Alors, attends. Hop, attends, je vais te donner ça. Deux secondes. Je vais te donner le noir. Allez, tu écris? Tiens, tiens-le bien. Hop! Ici, c'est là. Il faut écrire là, mon chéri. Alors, par contre, j'enlève les lettres. Alors, un petit instant. Oui, ma chérie. Allez, tu écris? Alors, montre-nous comment tu fais. Alors, comment tu écris? Oui. Vas-y, écris. Oui. Oui. Tu peux écrire sur le tableau. C'est pas grave, mon chéri. T'es tombé? Attends, je te ramasse. Je viens d'installer Warren à table. Est-ce que c'est bon, mon chéri? Oui. On a fini de jouer. C'était bien, c'était cool, hein, ce petit tableau d'activité, là. Ça a l'air de lui plaire, donc c'est parfait. Alors, qu'est-ce qu'on mange ce midi? C'est quoi que tu manges? Maman, là, j'ai les lèvres qui gèrent. Pas pourquoi. Qu'est-ce que tu manges ce midi? C'est quoi?
Qu'est-ce que tu manges? Des pâtes. Des pâtes avec quoi? Du jambon. C'est bon? Oui? Je pense que oui, c'est bon. Ça te plaît? Oui. Allez. C'est bien, mon chéri. Hop, avec un petit peu d'eau ici. Et c'est parfait. Et ensuite, on prendra un bon dessert. C'est bien. Tu te débrouilles bien, mon chéri. Tu manges tout seul? Bravo, mon cœur. Bon, moi, le seul petit problème que j'ai, c'est que le technicien n'est toujours pas passé, figurez-vous. Donc, voilà, il est quand même midi. Un peu plus de midi. Donc là, il doit rester à peu près 45 minutes avant l'heure à laquelle, limite à laquelle il devrait être là. Donc je vais attendre, on verra bien 13h. Si jamais j'ai personne, j'appellerai, mais je trouve ça bizarre. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que comme j'avais la box, Sébastien l'avait branché hier, on l'a redébranché parce qu'on voyait que ça fonctionnait pas. Du coup, je l'ai quand même branché et je vais voir peut-être qu'ils vont l'activer dans la journée. Ne crie pas, chérie, ne crie pas. D'accord? Peut-être qu'ils vont l'activer dans la journée finalement. Donc du coup, voilà. Je vais voir, je vais laisser ça tourner. On verra bien. Donc voilà. Mais j'ai vraiment besoin d'internet. Donc j'espère qu'ils vont pas trop déconner, quoi. Voilà. Surtout que ça devait être lundi normalement. Donc je suis bien gentille. Là, je suis pas une journée près, mais bon, je voudrais pas encore attendre une semaine, quoi. Bon ben je vous reprends, il est 15h-10, Clément finit à 15h, je vais le chercher à l'école aujourd'hui. Sébastien finit à 16h, donc c'est moi qui le récupère, j'aime bien de toute façon, donc ça me dérange pas. Warren est super en forme aussi, il était rigolo, il a rigolé, il s'est réveillé vers 14h30, quelque chose comme ça. Oui mon chéri, t'es en forme, t'as bien dormi, il a bien dormi pratiquement 2h, donc c'est cool. Franchement c'est très très bien. Donc la direction l'école, je vais voir si Clément a passé une bonne journée. Bon ben nous sommes rentrés. Non. Ça y est, Clément non. Il est là aussi. Tu veux que je t'aide à ouvrir ta gourde? Oui. Ça ira plus vite. Voilà, on prend le goûter avec Warren. Il va te donner de l'eau mon chéri. Regarde, maman elle t'a déjà ramené de l'eau. Tout ce qu'il voit faire c'est ses frères, il veut pareil. Il veut faire la même chose. Attention, attention, c'est mal fermé. Attends, je te le ferme correctement. C'est mal fermé, regarde, tu vas te mouiller de partout. Hop, comme ça, on tourne. Voilà. Tiens, maintenant tu peux boire. Voilà. Donc, je vous disais qu'il veut faire tout ce que ses frères font, bien sûr. Donc, si Clément boit de l'eau, il faut qu'il boit de l'eau. Si Clément mange, il faut qu'il mange aussi. Enfin, bon, voilà. Sinon, Clément, tu as passé une bonne journée, mon chéri? Oui. Alors, qu'est-ce que tu as fait de beau aujourd'hui à l'école, Clément? On avait fait des animaux en papier. C'est moi, c'est fait une baleine, un tigre, une tortue. Je suis en train de faire les devoirs avec Clément. C'est pas 18 plus 18. 18 plus 18. Essaye. Bah, tu... Voilà. 20. Oui. Et si on met 16, 30. 36. Voilà, très bien. C'est super. Je sais pas quoi vous dire. Voilà, c'est très bien, mon chéri. Tu vois, 9 x 4, 40. Voilà, exactement. Bon, on est en train de faire des devoirs, mais c'est pas des devoirs pour l'école, c'est des devoirs pour nous, hein, à la maison directement. Je viens de mettre du gloss encore. J'ai les lèvres qui sont vachement gercées, donc vous étonnez pas si ça brille à la caméra. C'est normal. J'ai quoi, 2 x 5 x 6. Non. Alors, 6. 2 fois 5. 8. Ou 5 fois 2. J'ai pas le jeu, c'est la même chose. 5 fois 2, bah 10. Voilà, c'est pareil, mon chéri. 10. Bon, pour raconter notre petite histoire, Sébastien a rentré un tout petit peu plus tôt. Il est malade. Voilà, il a dû choper la gastro de Clément ce week-end. Donc j'espère que ça va pas faire le tour de la maison. Moi aussi j'avais mal à la tête. Donc j'ai juste pris un petit cachet. Ça va beaucoup mieux maintenant. Je vais juste faire en sorte que Warren ne soit pas malade. 4 x 5 ça doit être... 5 x 5 là c'est facile. Vas-y. C'est 15. Non, 20. Ouais, c'est ça.
Et là, 4 fois 5. Non, 4 fois 5, 20, mon chéri. 4 fois 5 20, oui. Parce que 5 plus 5, 10. Donc encore 5 plus 5, 10. Bah 25. 10, 20. 25. Ça. Voilà, 5 fois 5, 25, je suis d'accord. Et ça va. Et ça va, exactement. 6 fois 5. 5 fois 6. 30. Oui. 5 fois 6. Oui, 30, c'est ça. 5 fois 7. 35. Oui. Et là, 35, 35. 40. Oui, tout à fait. Je veux dire 10 fois 5 parce que 10 fois 2, 20. Et après, ce qui va, 10 fois 3, 30. Parce oui. qu'il y a un numéro 3 et après, il y a un 0. Du coup, le 3, ça veut dire il y a 3 10. Oui. Et après, le 0, ça veut dire il y a 0, 1. D'accord. Bon, c'est pas mal. C'est très bien. Donc ça, c'est un cahier en fait, de mathématiques qu'on a acheté dans une boutique ici. Practice your timetable, ça veut dire pratique donc tes tables de multiplication. Et c'est à partir de l'âge de entre 5 et 7 ans. Bon, j'ai définitivement pas de chance avec Internet. Je suis désemparée. Ça fait 3 fois que j'essaie de relancer cette machine, cette box, et elle ne fonctionne pas. Voilà, ça continue à clignoter vert comme ceci. Et normalement, c'est censé être stabilisé. Voilà, voilà. J'ai vraiment pas de chance pour le coup. Alors, non seulement j'ai pas eu de technicien aujourd'hui. Et en plus de ça, la box ne fonctionne pas. Donc, je vais peut-être attendre minuit pour voir si il faut pas justement que ça attende une certaine heure pour que ça fonctionne. En tout cas, ça m'agace fortement. C'est vraiment la galère. Donc voilà. Ça fonctionne pas à l'internet. Bon, bah écoutez, je vous reprends. Je suis en train de vite fait. Et c'est rare. Mais je check rapidement les devoirs de Kéliane. Vous savez, je pense que vous aussi, c'est un peu pareil en France. Il y a une application sur mon téléphone que j'ai installée en fait. Hein. Tout simplement, ça s'appelle Show My Homework. Et en fait, c'est tous les devoirs des enfants. Comme ça. Hop. Voilà, vous avez tous les devoirs des enfants et les enfants, eux, peuvent, si vous voulez, au fur et à mesure qu'ils font leurs devoirs, ticker, c'est-à-dire cocher en fait les devoirs qu'ils font, tout simplement. Et moi, je trouve ça super bien. Et là, je vois en fait qu'il est à jour et qu'il a fait ses devoirs jusqu'au 15 janvier. Voilà. Et là, en fait, les devoirs qu'il a à faire, c'est des devoirs pour mardi 15 janvier. Et en fait, c'était des mathématiques. Donc moi, je regarde pas tout, mais de temps en temps, je regarde quand même. Ils peuvent s'être trompés, ils peuvent oublier des choses. Alors, je sais. Vous voyez, là, les devoirs, par exemple, sont faits. Donc, c'est bien. Donc, ça, c'est cool. Hop. Impeccable. Donc, je suis contente. Ça, c'est fait. Ensuite, qu'est-ce que je voulais voir avec Kéliane? Ah oui. Pas voir avec lui, en fait. Je vais juste demander s'il avait toujours son dictionnaire de mathématiques. C'est ça, en fait. Ça s'appelle un dictionnaire de mathématiques. J'ai acheté ça il y a 2 ans sur Amazon. Et franchement, c'est super bien. Vous avez... Je pense que vous pouvez l'utiliser jusqu'au lycée. En tout cas, jusqu'à la fin du collège, ça c'est sûr. Même jusqu'au lycée, je pense. Et en fait, vous avez toutes les formules dedans. Je vais vous montrer, ça va être plus simple. Voilà. Hop. Attendez, je pose mon téléphone comme ça. Là, vous avez différentes formules, on vous explique tout, les perpendiculaires. Enfin, il y a vraiment tout, tout, tout. Si vous ne trouvez pas une information dans ce dictionnaire de mathématiques, c'est bien rare. Ah, qu'est-ce que tu fais, toi? Je vais regarder dans mon livre d'insectes. Ah, oui. Il est toujours intéressé par les insectes. Hein. Vous comprendrez que Clément, il adore la science. Voilà. Le petit livre qu'on a acheté il y a quelques mois sur les insectes. Et vraiment, il est vraiment intéressant, ce petit cahier d'activité, en tout cas. Bon, bah écoutez, on va donc vous laisser là, parce que de toute façon, il n'y a pas grand-chose à rajouter. Je vais ranger tout ce que j'ai à faire avec les enfants, là, sur la table. Les enfants vont aller se coucher, et moi, je vais en profiter pour monter le vlog
tout de suite. Donc on va vous laisser là. On espère que ce vlog vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, liker, vous abonner et partager. Et on vous dit à demain pour un nouveau vlog. Ciao! I have